le jugement de groupe avec son poulain. Alors ça, c'est numéro 2. Hein. Oui, c'est numéro 2. Au cham ou au cam, les Bretons vont rectifier. Voilà, au cham, Kercador, c'est le label de l'élevage. On va marcher ? Allez-y, marchez. C'est le label. Marchez, marchez. Donc la mère que vous avez devant vous, une âme Kercador, quatre causes d'Armor, un des étalons à QPS en son temps, qui avait défrayé la chronique en plat, en étant un très très bon cheval de plat. À revenir. Avait donc sailli une jument pur sang pour nous laisser une âme Kercador sur les pistes, qui a gagné chez elle en Bretagne, à Guingamp et à Moron, deux victoires. Oups. En plat. Alors effectivement, vous avez devant vous. Bah, tenez là, monsieur, tenez là normalement, pas en bout vous de long. Devant vous. Elle est en votre trotter maintenant ? Souche. On va la lâcher là ? Ouais. Le croisement à l'envers, c'est aussi un apport de sang nouveau dans la race à QPS. Oh putain, mais il est... Qui, je vous le rappelle, nous laisse à peu près un bon 1000 naissances par an. Donc vous avez ici devant vous 10% des naissances à QPS de France. Avec les 100 poulains qui vont défiler aujourd'hui. Alors, c'est une fille d'Honolulu, du chef de race, Monjeu. Et Honolulu a la particularité d'être la propriété de l'éleveur du petit poulain qui est devant vous. C'est donc un véritable éleveur.